Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour notre webinaire que nous allons présenter ce matin dont le thème est un an après, où en êtes-vous avec votre conformité au RGPD? Je suis Frédéric Dupré, je suis directeur commercial chez Hello France et je vais présenter ce webinaire avec deux collègues, Aymeric Martin et Christopher Van Dorn, qui sont consultants chez Hello France. Le webinaire va s'organiser en trois parties. Une première partie avec une rapide introduction pour un rappel sur les obligations liées à la mise en place du RGPD. Ensuite, Aymeric Martin vous présentera quelle réponse Hello peut apporter dans le cadre de la mise en place d'une conformité au RGPD dans une organisation. Et enfin, Christopher vous présentera un exemple concret de la mise en place d'une conformité RGPD face à une problématique de ressources humaines. Je vous propose qu'on démarre. Donc le RGPD, c'est l'obligation pour toutes les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, d'assurer une protection des données personnelles à tout instant et bien évidemment d'être en mesure de le démontrer en documentant leur conformité. Donc le nouveau cadre imposé par l'Union européenne, la protection des données personnalisables, est applicable à tous les États membres. Et ce cadre extraterritorial est également applicable à tous les ressortissants de l'Union européenne et à toutes les organisations qui traitent des données provenant d'organisations européennes. Il va donc s'appliquer à toutes les entreprises non européennes qui proposent des biens et des services en Europe ou qui pratiquent du profilage de résidents européens, c'est-à-dire qui collectent des données relatives à des personnes vivant dans l'Union européenne. Les principes de base du RGPD, on a quatre principes de base qui sont le principe du consentement, le droit à l'oubli, le droit à la portabilité des données personnelles et la nomination d'un DPO. Le principe du consentement, donc c'est l'obligation pour l'entreprise d'obtenir un consentement de la part de ses clients ou des personnes avec qui elle est en contact pour conserver les données personnelles le concernant. Cette obligation est valable dès la conception des données, c'est-à-dire que il faut demander à chaque personne si elle est en accord avec le fait que ces données vont être archivées et potentiellement utilisées par l'entreprise. Le droit à l'oubli, c'est l'obligation pour l'entreprise d'effacer les données à caractère personnel sous plusieurs motifs, et ce, dans les plus brefs délais. Le citoyen européen a d'ailleurs le droit de s'opposer au profilage via des traitements automatisés. Le droit à la portabilité des données personnelles. Donc le citoyen peut obtenir dans un format lisible et structuré toutes les données personnelles le concernant. Il a également le droit d'autoriser leur transfert vers d'autres acteurs sous réserve que cela soit techniquement possible. Et enfin, la nomination d'un DPO, le délégué à la protection des données, est une personne qui est en charge de la mise en œuvre de la conformité au RGPD. Selon la taille de l'entreprise, évidemment, on pourra trouver un DPO, pourra être constitué par un service de plusieurs personnes, pour les plus grandes entreprises, et évidemment pour les plus petites, ce sera le dirigeant qui sera en charge de la mise en place et qui sera responsable de la mise en place de la conformité au RGPD, sachant que cette obligation concerne les entreprises privées comme les organisations publiques. Les obligations du RGPD, donc la précision des données, la démonstration de la conformité, la notification de violation. La précision des données, c'est la précision des données, la pierre angulaire du RGPD. Toutes les informations doivent être mises à jour et exactes. Un renseignement personnel ne peut être conservé que tant qu'il remplit son objectif initial. Par exemple, si une entreprise conserve un dossier client d'une personne qui a déménagé ou qui est décédée, cette action constitue une violation. La démonstration de la conformité. L'entreprise doit apporter la preuve d'une attitude transparente et coopérative concernant les données personnelles. L'effacement des données n'est pas spécifié dans le RGPD, mais il est essentiel d'adopter une stratégie et un processus de nettoyage des données de l'entreprise. En cas de contrôle, il est impératif que l'entreprise montre sa bonne volonté au législateur de manière à ne pas être pénalisée pour une non-conformité au RGPD.
Enfin, la notification des violations. Il est impératif d'avoir une base de données à jour en parfait état de fonctionnement. Et il faut s'assurer que les notifications éventuelles vont bien atteindre les destinataires. Les clients doivent être informés si le fournisseur a subi une violation de données, et ce, sans délai. Par exemple, un collaborateur d'une entreprise qui se ferait voler son ordinateur portable qui contiendrait une base de données avec de multiples contacts et de multiples informations, toutes les personnes présentes sur cette base de données doivent être informées de cette perte dans les plus brefs délais, sans quoi l'entreprise pourrait avoir de grosses pénalités liées à la non-conformité au RGPD. Quelles sont les sanctions possibles en cas de non-respect au RGPD? Les sanctions peuvent être très significatives puisque cela peut monter jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise avec un plafond maximum de 20 millions d'euros. Donc, il faut impérativement se conformer au RGPD si on ne veut pas risquer de lourdes pénalités financières. Les entreprises en ont conscience puisque selon une enquête qui a été réalisée récemment, le risque de défaut de conformité au RGPD inquiète 86% des entreprises mondiales. Donc, cela ne concerne pas que les entreprises européennes, mais comme on l'a expliqué auparavant, les entreprises internationales qui ont des activités en Europe sont également concernées par ces pénalités. Pour conclure, je dirais qu'il revient donc à l'entreprise, selon son principe de responsabilité, de cartographier le traitement des données personnelles qu'elle collecte, de prévoir et de documenter toutes les actions correctives, de mettre en place des processus et des dispositifs pour être en conformité au RGPD. Hello peut s'inscrire dans la mise en place de ces processus et de ces dispositifs. Et je vais laisser la parole à Aymeric qui va vous présenter plus en détail en quoi les solutions Hello peuvent intégrer la mise en place d'une mise en conformité au RGPD. Merci Frédéric. Je reprends donc la parole pour bien parler effectivement de la solution Hello sous l'angle de la conformité RGPD. Alors effectivement, Hello va vous fournir une plateforme, donc un socle technique et un ensemble de fonctionnalités qui vont vous permettre de répondre à certaines exigences du RGPD. Pour autant, c'est pas parce que effectivement vous aurez fait le choix de cette solution que dès l'instant où elle sera mise en place, vous serez conforme. C'est-à-dire qu'effectivement, votre conformité va être la somme de mesures techniques et organisationnelles qui toutes ensemble et toutes orchestrées ensemble vont effectivement assurer que vous serez en règle. Donc, par exemple, quand on parle du côté technique, bien sûr qu'il y a aussi donc la personnalisation, donc l'intégration de la solution avec vos processus et également des mesures internes en termes de sécurité informatique qui vont effectivement participer de la sécurité des données. En termes de fonctionnalité, le fait qu'elles soient présentes, certaines sont en standard, pour autant il faut malgré tout les mettre en œuvre, donc les paramétrer et les mettre en lien avec des mesures organisationnelles, c'est-à-dire les mettre effectivement en lien avec vos processus internes. Et donc, c'est pourquoi Hello apparaît comme un outil qui, administré de manière adéquate et faisant partie d'une réflexion globale, va vous permettre de prétendre à cette conformité au règlement européen de protection des données. L'idée ici, c'est d'illustrer quelques fonctionnalités standards qui vont vous être utiles sur la voie. Donc, je vais reprendre certains des principes énoncés par Frédéric. Notamment le principe d'intégrité et de confidentialité, garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine accidentelle. Voilà, c'est le règlement dans le texte. Donc effectivement, l'enjeu, c'est l'intégrité et la confidentialité des données. Donc de manière standard, et ça fait d'ailleurs quelques années, même de nombreuses années qu'Hello propose ça, effectivement, vous avez dans la solution une gestion fine des droits et habilitations qui fait qu'effectivement, seules les personnes habilitées pourront avoir accès et pourront consulter des informations. Donc ça vous permet déjà de sécuriser les données. Ensuite, si on parle des fichiers de données, donc des fichiers physiques, j'allais dire, il est possible dans Hello de les crypter et même de
décrypter la communication donc entre une interface de consultation et votre serveur de fichiers, de telle sorte que effectivement, même en cas d'interception d'un flux de données, les données ne pourront être décodées. Enfin, Hello offre toutes les mécanismes nécessaires de traçabilité, donc que ce soit lié sur un objet, à un objet documentaire ou bien à un processus. Et donc, vous savez démontrer à l'instant T, si vous êtes interrogé sur l'authenticité et le devenir et l'utilisation d'une donnée, effectivement, comment elle a été utilisée, par qui elle a été vue, etc. Donc ça vous permet effectivement, ça vous offre une assise, disons, stable en cas de contrôle. Comme je l'ai effectivement évoqué lors du slide précédent, ces notions d'intégrité et de confidentialité sont accouplées avec des dispositifs généraux de sécurité informatique. Je pense à des firewalls, des sauvegardes, ou bien sûr faire en sorte que le réseau d'entreprise ne soit pas accessible via l'extérieur. Ou en tout cas de manière sécurisée. Nous allons voir maintenant un autre principe qui est le principe de limitation de la conservation. Donc, Son coupé. Son activé. voilà. Conserver les données sous une forme permettant l'identification de personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Donc, ce qui est effectivement important en ce qui concerne le traitement des données, et c'est vrai que c'est une thématique qui est souvent la thématique retenue principalement par les personnes qui nous interrogent, c'est effectivement de s'assurer de la bonne suppression des données personnelles que renferme l'entreprise. Et c'est pourquoi, de manière standard dans Hello, et là encore depuis quelques temps déjà, vous êtes en mesure de programmer une date de suppression. C'est-à-dire que dès l'instant où vous rentrez une donnée personnelle, vous savez dire, fixer une durée glissante, donc au-delà de laquelle, effectivement, la donnée pourra être supprimée automatiquement. Les notions de droit d'accès, droit de rectification, droit à l'effacement et droit à la portabilité, finalement, sont adressés assez simplement par les fonctions standards, respectivement de recherche, pour effectivement pouvoir retrouver tous les documents concernés par une demande, de consultation, bien sûr, de modification, et puis suppression, s'il fallait effectivement les supprimer, et l'export, c'est-à-dire qu'effectivement, s'assurer que les données puissent être exportées dans un format intelligible à l'attention d'une autre plateforme ou d'une autre entreprise. Depuis la dernière version de Hello, Hello 11, donc effectivement, là c'est un écran technique que l'on vous montre ici, sont apparus des nouveaux champs dans ce qu'on appelle le masque d'indexation. Donc, comme vous le voyez ici encadré en orange, il est effectivement possible désormais nativement de fixer une durée de conservation et une durée au-delà de laquelle les données seront supprimées. Ce qui est également possible de faire, effectivement, c'est d'identifier tel document comme porteur de données personnelles. À ce moment-là, effectivement, on viendra par exemple masquer les informations nominatives si elles se rapportent à une personne pour les remplacer par un identifiant propre à l'entreprise, mais qui ne permettra pas de remonter à la personne concernée. Enfin, dans l'encadré effectivement au milieu d'écran, vous voyez que le document peut être crypté de telle sorte que même s'il était possible de remonter au fichier d'origine, le fichier PDF, eh bien, il serait impossible d'en afficher le contenu sans disposer d'un mot de passe. Petit récapitulatif des fonctions standards proposé par Hello et donc qui vous permettent de prétendre à la conformité RGPD. Donc j'en ai évoqué plusieurs. Je vais reparler effectivement de la journalisation des processus et donc toutes les notions de traçabilité. Bien sûr, les workflows et effectivement le fait de formaliser vos processus au sein d'une plateforme sécurisée, eh bien, vous permet d'être plus conscient et de la manière dont vous utilisez les données du personnel. Ce que je n'ai pas cité, c'est
le symbole en haut à droite, la partition des données, c'est-à-dire qu'effectivement, il est très facile dans Hello de faire en sorte que les données personnelles soient dans un espace confiné, séparé, par exemple, des documents liés à la vie de l'entreprise, et donc que effectivement vous puissiez éventuellement attacher à cet espace particulier des mesures informatiques encore plus drastiques que celles effectivement du tout venant de l'entreprise. Alors la bonne nouvelle, c'est que le respect du RGPD est également pris en considération côté Hello dans toutes les business solutions, qui sont des choses qu'on vous présente régulièrement à travers différents webinaires sur cette même chaîne YouTube. Et je laisse justement la parole à Christopher qui va vous montrer effectivement l'application de ces mesures de conformité avec l'exemple de la business solution RH. Merci Emeric. Alors, effectivement, donc la partie que je vais vous présenter donc va traiter en fait de la gestion des points RGPD au sein de la business solution RH. Donc en effet, Hello est constitue en fait un socle polyvalent et il est possible de rajouter en fait une couche qui va être pré-paramétrée selon la nature de votre projet et ça va vous permettre en fait d'accéder à des fonctionnalités qui vont être spécifiques. On va notamment avoir des solutions pour la gestion des factures, pour la gestion des emails, pour la gestion des contrats, des visiteurs, la gestion aussi de la connaissance et aussi donc la gestion RH. Alors, petit rappel sur cette business solution RH. Donc, c'est un parfait exemple déjà sur la façon dont Hello a pris en compte ce règlement européen durant cette année, puisqu'effectivement, c'est une solution qui est relativement récente. Elle est constituée de plusieurs socles. Donc, le premier socle, c'est le dossier du personnel qui est justement sorti plus ou moins en simultané avec le règlement européen, donc depuis 2018. Il y a également depuis donc la partie recrutement qui est disponible depuis 2019 et donc la partie gestion des congés pardon, qui est à venir et qui va donc du coup arriver prochainement. Donc cette solution pré-paramétrée d'Hello va répondre parfaitement aux engagements auxquels vous devez faire face pour être conforme. Et on va voir en fait de quelle manière. Puisqu'effectivement, elle est donc liée directement au RGPD, au cœur des problématiques. Alors, un petit tableau donc qui va prendre quelques points de ce règlement et qui permet de mettre en avant aussi comment en fait la business solution RH peut y répondre. On va avoir déjà comme première problématique le droit à l'effacement. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que dans la partie donc dossier du personnel pour la business solution RH, on va avoir une centralisation des informations. Ça va permettre de pouvoir gérer beaucoup plus facilement cette partie effacement, donc soit à l'avance, comme l'avait montré Emeric, avec la possibilité d'avoir des dates qui vont prendre en compte, soit tout simplement manuellement, lorsqu'on a les droits adéquats. La partie portabilité des données personnelles, donc là, en fait, c'est tout simplement la possibilité de pouvoir, accéder à son dossier à tout moment. Et donc là, en fait, on va avoir des boutons qui vont être mis à disposition, alors soit directement dans Hello, soit ces boutons pourront être exportés sur un intranet, par exemple, pour permettre à l'ensemble des collaborateurs de pouvoir effectuer la demande, donc de pouvoir visualiser son propre dossier RH. La partie aussi protection des données dès la conception. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Hello permet déjà, lorsqu'on va créer et générer donc les dossiers du personnel, de pouvoir gérer les droits directement par défaut. Et aussi, lorsqu'on va rajouter des documents à l'intérieur de ce dossier, avoir la possibilité d'avoir un niveau de sécurité qui va être paramétrable. Premier niveau de sécurité qui va être géré d'emblée par la solution. On va avoir donc une restriction interne dans le pôle RH. En fait, chaque dossier du personnel va pouvoir être géré ou attribué à une seule personne, voire plusieurs, du service RH. Et ce sont seulement ces personnes qui seront en fait habilitées à pouvoir effectuer donc la lecture, l'écriture, mais également la suppression. Donc ça permet déjà de répondre à la première mention donc sur la protection des données dès la conception en proposant un premier niveau de sécurité sur les fiches collaborateurs. Ensuite, comme je l'avais dit, on va avoir la possibilité d'effectuer une gestion des habilités qui va être beaucoup plus fine et qui servira notamment pour l'exemple suivant. On le voit en fait sur chacun des documents. Donc on a la partie arborescence sur la gauche
Et lorsqu'on a un document qui fait partie donc des dossiers du personnel, on va avoir également accès à un formulaire. Et sur ce formulaire, on retrouve en fait la partie habilitation de sécurité, donc qui par défaut donc va vous proposer trois niveaux de sécurité. Bien sûr, c'est entièrement paramétrable et on peut en rajouter d'autres si nécessaire. Mais déjà, vous allez pouvoir déterminer quel est le degré de sécurité à placer sur ce document afin de pouvoir sécuriser au maximum les données du personnel. Premier exemple de fonctionnalité qui est propre à la gestion RH et qui répond parfaitement en fait aux restrictions du RGPD, c'est notamment pour la demande de consultation. J'en ai parlé brièvement tout à l'heure. En fait, c'est un bouton qui va être accessible à un collaborateur, à un utilisateur, qui va effectuer une demande de consultation de dossier. Cette demande va être automatiquement envoyée donc au service RH. Donc, ce service RH va recevoir la demande et va pouvoir la valider en ajustant les paramètres de durée et également les paramètres de confidentialité. Ce paramétrage de confidentialité va permettre donc à la solution d'automatiquement retirer les documents confidentiels afin de produire une copie temporaire conforme à la demande. Donc cette copie temporaire peut être soit directement envoyée à l'utilisateur, soit juste avant envoyée au service RH afin de pouvoir vérifier que tout est en ordre. Et donc si cette consultation est approuvée par le service RH, cette copie va pouvoir être envoyée donc à l'utilisateur. Cet utilisateur donc va pouvoir effectuer la visualisation de son dossier RH, donc effectivement dans le temps qui lui sera imparti ou lorsqu'il aura terminé d'effectuer sa consultation. Et une fois que c'est terminé, donc la suppression de la copie temporaire est effectuée directement par la solution et automatiquement. Le point de vue du demandeur, donc là, comme je le disais tout à l'heure, il a effectivement sur l'interface Hello la possibilité d'avoir le bouton, visualiser son dossier RH. C'est un bouton qui peut être aussi exportable. Donc, si vous avez un intranet et que vous ne souhaitez pas forcément donner accès à l'ensemble des collaborateurs à la solution Hello, c'est également possible d'avoir cette fonctionnalité sans pour autant que l'utilisateur ait besoin de se connecter à la gestion électronique de documents. Dans tous les cas, il va arriver sur cette deuxième écran où il va pouvoir en fait bah, tout simplement préciser la raison de la demande et une fois que ce sera validé, donc avec le bouton faire une demande de consultation, cette demande sera automatiquement envoyée au service RH. Le service RH donc va recevoir la demande. Donc, on va retrouver dans la partie supérieure les informations qui vont être saisies par le demandeur. Et la seconde partie, elle va pouvoir permettre donc au service RH de pouvoir gérer à la fois le délai, mais également aussi la confidentialité. On remarque aussi également, il y a un petit plus qui est appréciable, c'est qu'il est possible donc de recevoir la copie avant l'envoi pour pouvoir vérifier ou non la copie du dossier qui sera créé. Parlons maintenant donc d'une autre fonctionnalité qui est disponible avec la Business Solution RH, ça va être la gestion d'une demande de modification de données. Alors en effet, un collaborateur va avoir la possibilité d'effectuer une demande de modification. Donc là, ça va être à son initiative. Le système, donc Hello, va lui mettre automatiquement à disposition les données qui sont à modifier, donc les données existantes et la possibilité de les modifier. Donc l'utilisateur va pouvoir effectuer son actualisation de ces données par le biais donc d'un formulaire qui va être envoyé automatiquement également au département RH. Donc le département RH va recevoir sous forme d'un formulaire donc l'actualisation des données et va pouvoir valider ensuite, donc, les données qui seront modifiées par la solution. Petit plus également sur cette demande de modification, c'est qu'on va pouvoir rajouter une date d'effet. Ce qui fait que, du coup, si par exemple, on parle d'un déménagement qui aura lieu dans 2 mois, on va pouvoir préciser donc que la date de prise d'effet est uniquement dans 2 mois. Et ce qui fait que même si le département RH a validé l'information dès aujourd'hui, l'actualisation des informations donc de ce dossier ne se fera que dans 2 mois.
On peut voir ici donc le point de vue du demandeur. Donc avec de la même manière que pour la demande de consultation, on va avoir un bouton pour pouvoir modifier ces données de base, donc ces données d'information. On va pouvoir choisir donc quelles sont les données qu'on souhaite modifier. Et à partir de là, donc, on va avoir accès donc à une catégorie bien spécifique. Par exemple, ici, c'est l'adresse. Et donc, on va pouvoir donc ici modifier les données, les valider et aussi, comme je le disais tout à l'heure, avoir la possibilité de rajouter la date de prise d'effet. Ça va avoir quand même un certain intérêt, notamment par exemple si on veut éviter les courriers perdus dans le cadre d'un déménagement, d'un changement d'adresse, ou par exemple aussi également pour des problèmes de paiement lorsqu'on va vouloir faire un changement de coordonnées bancaires. L'avantage ici aussi, c'est que la solution Hello va permettre de pouvoir exporter ces informations et va pouvoir synchroniser donc cette modification avec l'ensemble de vos logiciels que vous utilisez au quotidien. Pour conclure, donc juste un petit rappel sur ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Alors, un an après la mise en place du RGPD, on a désormais, donc nous, Hello, en tant qu'éditeur de solutions spécialisées dans la gestion documentaire, on a mis en place un certain nombre de mécanismes dans nos solutions pour vous aider à être conforme au RGPD. Et bien évidemment, en fait, toutes les nouveautés qu'on va rajouter et qu'on rajoute au fur et à mesure sont également pensées pour aller dans ce sens, afin de toujours vous proposer une solution qui va être conforme durablement. Ici, donc, je souhaiterais aussi parler des prochains webinaires. Donc, notamment si vous souhaitez aller un peu plus loin sur la partie RH que j'ai présentée très brièvement. Donc, il va y avoir un webinaire consacré à ce sujet qui sera donc le jeudi 13 juin à 11 h. Et également, donc, on va avoir un autre sujet qui va être l'automatisation du traitement des factures fournisseurs qui, lui, aura lieu donc le 4 juillet à 11 h également. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur nos webinaires, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site donc hellodigital.fr pour pouvoir vous inscrire et voir également les prochains webinaires qui seront accessibles. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore à les poser actuellement sur la partie chat. Nous allons les collecter pardon, dès maintenant et on reviendra vers vous donc d'ici la fin de la semaine pour vous apporter les réponses attendu. Voilà, merci encore pour votre attention et bonne journée.